Donc ce soir, on a notre première conférence du cycle blockchain. La blockchain, quand on pense blockchain, on pense crypto-monnaie. Mais en réalité, la blockchain, c'est avant tout une technologie qui a certes été utilisée en premier dans les crypto-monnaies, mais qui en fait a des applicabilités très larges. Et c'est ce dont on va parler tout au long du cycle. Pour autant, on a décidé de commencer ce soir avec les crypto-monnaies parce que historiquement, même si on a eu, il faut quand même le dire, la blockchain a été développée sur pas mal de technologies existantes, comme la cryptographie, par exemple, la double clé, des choses comme ça. Néanmoins, la première application directe de la blockchain a été les crypto-monnaies. Donc on commence ce soir avec ça. Mais sachez qu'après, la prochaine conférence va être en novembre et on va parler d'autres sujets. On va parler de la médecine, on va parler de la politique, plein de sujets comme ça, des gouvernances, pour montrer en fait comment la blockchain peut impacter tous les domaines. Encore faut-il en comprendre les mécanismes, les tenants et les aboutissants technologiques, en tout cas un minimum, pour pouvoir connaître, découvrir le champ des possibles de cette technologie et aussi de voir les possibles limitations et de réfléchir aussi en termes de réglementation et d'usage. Donc voilà. Et pour finir, donc, je vous remercie encore d'être là ce soir. J'ai essayé d'être courte. Je voulais vraiment vous dire, en fait, encore une fois, on voulait vous remercier. Vous êtes nombreux ce soir à être venus, vous êtes nombreux et vous êtes inscrits. On a eu peu d'annulations, donc c'est important. Et j'espère sincèrement que cette première conférence va vous plaire. Elle va vous nourrir technologiquement, humainement, et qu'elle va vous allez repartir de cette conférence avec les clés. En tout cas, un premier jeu de clés pour comprendre la blockchain et de comprendre, en fait, encore une fois, le champ des possibles. Et on commence ce soir par la crypto-monnaie. Voilà, je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Je suis donc Guillaume Augean, je travaille aux Échos et je suis ravi d'être venu à cette première conférence. L'Institut Sapiens, qui s'appelle, qui est intitulé, je crois, les crypto-monnaies, les faux monnayeurs. Ça va sûrement donner lieu, ce type de polémique, à des désaccords qui sont chers à l'Institut. Je rappelle, Aurélie l'a déjà fait, mais je rappelle, donc le Twitter, hashtag blockchain sapiens, et l'application Toguna que vous pouvez télécharger pour poser toutes vos questions en direct, réagir, donner vos impressions, et j'essaierai d'en prendre le maximum à la fin. On va essayer de partager cette heure qu'on a ensemble, un peu plus d'une heure, en trois temps. Un premier temps pour comprendre le mécanisme des crypto-monnaies, comprendre comment ça fonctionne, être le plus pédago possible. Il y a beaucoup de jeunes dans la salle et sur ce sujet, je crois qu'il est toujours important d'être pédago. Un deuxième temps qui sera consacré à la blockchain et ses applications. Et puis un troisième à la réglementation qui bouge énormément en ce moment, notamment en France. Il sera précieux d'avoir le témoignage de la secrétaire d'État. Nos panélistes. Je vais commencer par Éric Larchevêque, à ma droite. Éric Larchevêque, vous êtes ingénieur, serial entrepreneur, vous avez monté plusieurs projets dans divers secteurs en Europe. Et en 2013, vous découvrez le Bitcoin, la technologie blockchain. Vous créez d'abord la maison du Bitcoin à Paris, avec Thomas France, qui a beaucoup évolué et s'est amélioré depuis. Et puis surtout, vous cofondez Ledger. Ledger, c'est une société qui a levé 75 millions de dollars en janvier dernier. Notamment avec son produit, le Nano S, en tout cas c'est un mini coffre-fort digital pour crypto-monnaie qui est de la taille d'une clé USB et qui s'arrache littéralement puisque l'année dernière vous en avez vendu plus d'un million dans 165 pays. Votre ambition maintenant c'est de faire de Ledger un des leaders technologiques européens et vous notamment viser une valorisation de plus de 10 milliards il me semble. Hein. Voilà, on va essayer. C'est un long chemin, je travaille. Je vous mets un peu la pression. Philippe Heim, vous êtes directeur général délégué de Société Générale depuis mai 2018, après avoir débuté dans la fonction publique. Vous avez conduit un parcours en deux temps au sein de Société Générale depuis 2007, d'abord comme banquier conseil, puis au service de la stratégie et des finances du groupe. Vous êtes diplômé de l'École supérieure de commerce de Paris, le SCP Europe, de Sciences Po, donc vous retrouvez les amphis qui vont être chers, ainsi que de l'ENA. Aurélie Jean, vous êtes déjà présenté, mais je vais en dire un peu plus, parce que vous avez été modeste. Vous êtes docteur en mécanique numérique et sciences des matériaux de formation. Vous avez toujours une appétence pour les matières scientifiques, en particulier les maths et la physique. Vous avez fait vos armes au MIT, et vous n'avez pas dit, mais vous vous engagez depuis de nombreuses années dans la promotion des métiers du code pour les femmes, qui sont encore sous-représentées dans ce domaine. Vous avez aussi fondé In Silico Veritas, qui est une agence de conseil analytique et numérique.
je rajoute que vous êtes consultante indépendante pour le BCG, vous enseignez l'algorithmique aux États-Unis, et en France, on peut vous lire dans Le Point et dans sa newsletter Phébé. Clément Tecky, enfin. Clément Tecky, vous êtes diplômé du Master in Management de l'ESCP Europe et titulaire d'une maîtrise en maths appliquée à l'économie et à la finance. Vous êtes spécialisé dans la modélisation financière complexe et quantitative au sein du cabinet Accuracy. Vous êtes technophile, vous êtes intéressé très tôt au potentiel de la blockchain. Vous êtes cofondeur de l'initiative Blockchain Accuracy et co-auteur d'un excellent ouvrage qui est paru au printemps dernier qui s'appelle Blockchain vers de nouvelles chaînes de valeur. Voilà, je crois que j'ai tout dit, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Les crypto-monnaies d'abord pour cette première partie. On va commencer peut-être par replacer les crypto-monnaies dans le temps long, peut-être pour décrisper un peu le débat avec vous, Clément Tecky. Les cryptos, est-ce que c'est vraiment une rupture dans l'histoire des monnaies ou est-ce qu'on peut trouver une forme de continuité historique si on repart même depuis le Moyen-Âge ? Merci. Donc oui, exactement, c'est la question qu'on s'est posée dans l'ouvrage « Blockchain vers de nouvelles chaînes de valeur ». Et donc, ça tombe bien d'être à Sciences Po ce soir, parce que finalement, c'est un plan assez classique. Donc, c'est finalement, les crypto-monnaies sont entre rupture et continuité lorsqu'on s'intéresse à l'histoire économique et monétaire des supports monétaires. Donc, en effet, pourquoi continuité ? Donc, continuité, parce que lorsqu'on regarde dans le temps long, donc en histoire, on se rend compte qu'il y a une évolution permanente des supports monétaires. Et en fait, souvent, on a remarqué que l'évolution des supports monétaires va de pair avec l'innovation technologique qui permet l'émergence de nouveaux supports monétaires. Donc, je vais prendre quelques exemples qui vont permettre d'illustrer un petit peu cette évolution. Donc, au 4e millénaire, on voit apparaître en Mésopotamie, dans la culture du Ruk, l'écriture à travers les tablettes d'argile. Et finalement, au début, l'écriture, ça servait essentiellement pour diriger l'État et permettre de faire une comptabilité. Donc c'était utilisé comme une sorte du support monétaire, et c'est le premier support monétaire de l'histoire qui est apparu grâce à l'écriture. Donc, sauf qu'évidemment, c'était pas non plus un support monétaire très pratique, notamment pour des questions de fongibilité, donc les échanges n'étaient pas forcément optimales avec une tablette d'argile. C'est pour ça que grâce à la maîtrise de la métallurgie aux alentours du 7e siècle avant Jésus-Christ, on a pu avoir apparaître en Grèce, au 7e siècle, donc, les pièces métalliques, qui étaient beaucoup plus pratiques pour le commerce et qui, de fait, de leur fongibilité. Donc c'est intéressant. Donc, la légende dit que c'est près de la rivière Pactole, d'où l'expression toucher le Pactole, qu'ont été en fait forgées les premières pièces de monnaie en Grèce. Et donc ensuite, quelques siècles après, au 15e siècle, on voit apparaître l'imprimante, et donc qui permet de faire émerger en fait l'imprimerie qui permet de faire émerger le billet comme forme et support monétaire qui était beaucoup plus finalement pratique d'utilisation que la pièce de monnaie puisque demandait moins de travail. Et donc finalement c'est pour ça qu'on dit que la blockchain c'est une continuité historique parce qu'en fait il y a une innovation technologique, comme vous l'introduisiez tout à l'heure, c'est la technologie blockchain qui permet de faire émerger un nouveau support monétaire, en l'occurrence les crypto-monnaies. Donc ça, c'est pour ça qu'en fait, lorsqu'on essaye de prendre un petit peu de recul, on se rend compte que c'est normal, cette évolution monétaire. Et en même temps, il y a une forme de rupture par rapport à cette technologie blockchain, puisque pour la première fois dans l'histoire, on a un support monétaire qui est complètement décentralisé. Et pourquoi c'est essentiel de dire ça ? Parce qu'en fait, lorsqu'on reprend l'histoire longue, que ce soit les tablettes sumériennes, les pièces métalliques, les billets de banque, la création des banques centrales au XVIIe siècle, à chaque fois, la valeur de la monnaie était toujours garantie par un tiers de confiance. Ce tiers de confiance peut être soit un État, soit une banque, ou quelque chose comme ça. Donc en fait, parce que c'est vrai que finalement, la monnaie, ce n'est rien d'autre, n'a pas de valeur intrinsèque en tant que telle, et la seule valeur intrinsèque qu'a une monnaie, c'est la confiance qu'on lui accorde. Et souvent, c'est le tiers de confiance, en l'occurrence l'État ou une banque, qui garantit cette confiance dans la monnaie. Donc aujourd'hui, dit autrement, pourquoi l'euro ou le dollar sont si forts ? C'est bien parce qu'il y a une économie européenne, une économie aux États-Unis qui est puissante derrière et qui garantit la valeur de cette monnaie. Et or, la technologie blockchain, là où c'est vraiment dur, c'est qu'il y a... Voilà, si on prend l'exemple du Bitcoin, c'est que c'est complètement décentralisé. C'est-à-dire qu'elle n'est garantie, sa valeur, par rien d'autre, si ce n'est la confiance que les gens lui accordent dedans. Et alors, c'est vraiment la confiance dans la technologie et pas dans un État ou dans un tiers de confiance. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a essayé de dire que dans l'histoire longue, il y a cette continuité. Donc c'est normal finalement que les supports monétaires évoluent au cours du temps en fonction du niveau technologique d'une époque.
et souvent permettent de résoudre des échanges de plus en plus complexes. Donc, aujourd'hui, c'est ce que permet la blockchain. Et en même temps, il y a cette rupture parce que pour la première fois, on a une monnaie qui émerge de manière un petit peu ex nihilo, un petit peu en lévitation, et qui pourtant a une valeur, puisqu'aujourd'hui, un bitcoin se valorise autour de 5 600 €. Ce qui est intéressant en plus, c'est qu'effectivement, la création des premières crypto-monnaies du bitcoin, ça intervient en 2008-2009, après la crise financière, après les affaires de la NSA. Donc c'est évidemment loin d'être anodin, on voit bien qu'il y a continuité et rupture. C'est pas simple de comprendre comment fonctionnent les crypto-monnaies. Beaucoup d'économistes disent, même très sérieux, disent que ça repose sur rien. Alors vous, Eric Larchevêque, quand vous découvrez le bitcoin et les cryptos, qu'est-ce qui vous fascine le plus? Comment est-ce que vous expliqueriez cette fascination que vous avez eue pour ce monde-là? C'est très clair. Déjà, la première fois que j'ai vu le bitcoin, j'ai rien compris. Je pense que c'est normal qu'on ne comprenne rien. Parce que c'est une telle différence dans la manière dont on peut envisager la monnaie ou un système de gouvernance que pour pouvoir le comprendre, il faut oublier ce qu'on sait et vraiment pouvoir s'ouvrir à de nouveaux concepts. Et si on prend le chemin de comprendre vraiment comment fonctionne la blockchain, comment peut fonctionner un système décentralisé où effectivement il n'y a pas de tiers de confiance, et ça peut être quelque chose d'assez compliqué à se représenter puisque tout notre passé, toute notre histoire est basée sur la confiance dans les tiers, et bien là, il y a une véritable rupture dans la manière dont on peut donc concevoir les échanges monétaires ou même la notion de valeur. Et donc, en suivant ce chemin, ce qui m'a surtout surpris, c'est que finalement, en essayant de comprendre Bitcoin, j'ai surtout compris ce qu'était la monnaie. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui prennent ceci pour un acquis. Qu'est-ce qu'une monnaie? Qu'est-ce que l'euro? Pourquoi ça a de la valeur? Beaucoup de gens même pensent, je ne sais pas si c'est encore le cas maintenant, que c'est garanti par de l'or. Les gens se disent, la Banque de France, il y a de l'or, donc un euro, ça représente une partie de l'or, etc. Et en fait, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Et donc, au moins, l'intérêt de s'intéresser au Bitcoin, à la blockchain, c'est pour comprendre mieux l'univers qui nous entoure. Et il y a effectivement une vraie, véritable fascination dans un système décentralisé, distribué, qui arrive à fonctionner sans avoir une tête à couper, et d'être basé sur la capacité de pouvoir résister à la censure, de pouvoir avoir une véritable résilience. Et la force de Bitcoin, c'est d'avoir pu démontrer sur ces 10 dernières années, parce que là on va fêter les 10 ans de Bitcoin, que malgré tout ce qui a pu se passer, malgré tous les vents contraires, malgré toutes les crises, les hacks, les problèmes, les scandales, tout ce qu'on peut imaginer, au final Bitcoin est toujours là. Et c'est la démonstration que cette technologie fonctionne. Et qu'elle s'inscrit dans une véritable résilience. Donc c'est un véritable chemin un petit peu initiatique de pouvoir comprendre les bases de la blockchain. Ça peut mettre du temps, moi j'ai mis une bonne semaine avant de comprendre, donc il ne faut pas s'étonner si au bout de la première, la deuxième fois, la troisième fois, on ne comprend toujours pas, parce que c'est quand même un concept qui sort des sentiers battus. Par contre, quand j'ai compris, j'ai vraiment eu une sorte d'épiphanie, une révélation, en me disant que le potentiel de cette technologie était une... Il y avait un véritable potentiel de quatrième révolution industrielle. J'ai créé ma première entreprise en 1996 et j'ai vu l'impact qu'avait pu avoir Internet sur la société. Et pour moi, il était clair que la blockchain allait avoir un impact aussi important. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé de vraiment me concentrer sur cette technologie et de m'y investir et de contribuer à essayer de la développer. Qu'est-ce qui vous pousse à créer Ledger, à investir non pas sur les crypto-monnaies en elles-mêmes, mais plutôt sur les supports numériques, sur le coffre-fort qui va permettre de les garder? Eh bien, après avoir ouvert la maison du Bitcoin, ce qui m'a permis de bien comprendre l'écosystème, il m'a paru qu'il y avait une question essentielle qui méritait une réponse. C'était la première question, on va dire, c'est comment je fais pour acheter des Bitcoins, comment je fais pour rentrer dans l'univers de la crypto-monnaie ou de la blockchain, mais en l'occurrence le Bitcoin. À l'époque, c'était vraiment encore maintenant la seule véritable application. Et la deuxième question, et donc là, la réponse est assez simple, il faut trouver des places d'échange, des brokers, etc. On peut facilement se le représenter. Mais la deuxième question, c'était comment je fais pour les garder, pour les conserver. Et là, il n'y avait pas forcément de réponse sur le marché. Et la France a un savoir-faire assez extraordinaire en matière de sécurité. La carte à puce, c'est une invention française, 40 ans d'histoire. Aujourd'hui, toutes les cartes de crédit que vous avez dans le monde entier sont quasiment toutes de fabrication française ou européenne. Et donc, il y a un véritable savoir-faire basé sur une rencontre avec des personnes qui avaient développé des premières solutions de sécurité sur la carte à puce.
On s'est finalement rendu compte que pour pouvoir exister, pour pouvoir se développer, il était indispensable de pouvoir apporter de la sécurité, puisque dans un modèle de gouvernance distribuée, où finalement vous êtes votre propre banque, vous devez réussir à vous faire confiance à vous-même, et vous devez donc avoir les bons outils. Et donc c'était un petit peu la genèse de Ledger, à savoir de créer une technologie qui va permettre à tout un chacun dans le monde entier, qu'on soit un individu, qu'on soit une entreprise, ou finalement une machine, hein, et ça on pourra reboucler sur les usages plus tard, on a besoin de pouvoir faire des transactions en toute sécurité, et la technologie de carte à puce, qui est de la sécurité hardware, qui permet d'assurer la conservation et la garde des clés privées, qui représentent vraiment la propriété, sont un élément essentiel pour pouvoir avancer. Et donc c'est dans cet esprit qu'on a créé les jeux. Et vous êtes propriétaire de la techno. Vous l'avez dit, aucun gouvernement, aucune entreprise, aucune technologie, aucun hacker n'a pour l'instant pu mettre à mal le bitcoin et les crypto-monnaies. Aurélie Jean, quelles sont les menaces qui pourraient le fragiliser et quels sont les challenges qui permettraient qu'ils s'épanouissent encore davantage? Oui, alors c'est intéressant de vous poser cette question parce qu'en fait, avant-hier, j'ai lu le livre de Primavera de Filippi qui a écrit un très bon livre dans la collection Que sais-je. Je profite pour faire un peu de pub, excusez-moi. Qui est une femme vraiment formidable et qui est spécialiste de la blockchain, travaille au CNRS et qui est professeure à Harvard. Et j'ai échangé avec elle justement avant-hier sur ce sujet. Et en fait, selon moi, il y a vraiment menaces. Je n'arrive pas forcément à décrire les menaces. C'est assez compliqué pour moi de voir ça. Par contre, je peux définir les challenges, ça c'est clair. D'abord, les challenges techniques, c'est-à-dire qu'encore une fois, lorsqu'on pense blockchain, on pense tout de suite crypto-monnaie. Alors, c'est le sujet de ce soir, c'est vrai, mais parce qu'on pense tout de suite crypto-monnaie, on pense application financière. Et parce qu'on pense application financière, on en voit tout de suite les limites. Les limites premières de la blockchain, c'est littéralement, est-ce que ça vous pouvez me confirmer, et Philippe également, c'est justement les temps d'exécution pour l'attachement en fait, d'un bloc à la chaîne, à savoir la validation du consensus, de l'algorithme de consensus, pour justement rattacher, valider ce bloc. Pour vous donner une idée, en moyenne, on peut prendre à peu près 10 minutes. Des gens ont développé des blockchains beaucoup plus légères, allégées, où on prend jusqu'à 2 minutes et demie pour la tâche de blockchain. On voit bien que ce genre de technologie peut être difficilement, par exemple, utilisé dans des applications financières de marché, par exemple, ou même des applications financières de notre quotidien. Par exemple, pour vous donner une idée, Visa, la société Visa, enregistre 24 000 transactions financières par seconde. Ce qui paraît avec difficile. La blockchain, c'est une dizaine par seconde. Voilà, donc ce serait assez difficile. Voilà. Sur la blockchain de Bitcoin. Bitcoin, exactement. Oui, parce qu'en plus, il y a des blockchains qui se sont allégées. Et donc, c'est vers ça qu'il faut tendre. Et l'allègement passe aussi par des concessions faites sur l'algorithme de consensus pour le rendre peut-être moins exigeant. Moins exigeant, on peut dire aussi plus de menaces de hacking. Mais passons. Après, pour moi, le challenge technique, il est là, en fait. Mais encore une fois, je pense à ce challenge technique parce qu'on pense crypto-monnaie. On pense applications financières. Si maintenant on élargit les applications et qu'on voit sur des applications beaucoup plus larges, je vois la blockchain pouvant être utilisée dans beaucoup, beaucoup d'applications. Des applications de gouvernance, des applications juridiques, pour la validation d'un contrat, pour l'exécution d'un contrat, pour les assurances, pour des notaires, par, entre autres, on en parlera peut-être ce soir, mais l'utilisation des smart contracts, qui sont en fait l'incorporation de bouts de code, de scripts, littéralement, qui sont exécutés dans ce bloc, quand ils sont appelés. Après, il y a un challenge qui est quand même très important, c'est le challenge sociétal et politique, si on peut en parler, c'est-à-dire que pour comprendre les tenants et les aboutissants de la blockchain et pour en comprendre les mécanismes et donc le champ des possibles avec cette technologie, il faut s'y mettre. Et il faut vraiment comprendre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour que cette technologie puisse être acceptée par un maximum de personnes, par nos dirigeants économiques et politiques, il faut qu'en fait on comprenne. Et je dis ça parce que moi, je suis dans cette phase d'apprentissage. Je ne développe pas le blockchain, j'en utilise, mais je n'en développe pas. Mais je comprends les mécanismes et donc j'avance pas à pas, pour comprendre davantage et en particulier de voir quels seraient les champs d'application possibles. Et entre autres, je suis dans un projet qui s'appelle Electis, un projet de gouvernance utilisant des technologies blockchain dirigé par Gilles de Montré. Donc je pense qu'il y a plein d'applications autres que la crypto-monnaie. Donc vraiment, c'est faire accepter cette technologie par les gens et nos politiques et nos dirigeants économiques. Et ça, je pense que c'est quelque chose c'est un chemin à faire.
Et c'est pour ça que ce cycle aussi est important, parce qu'on espère justement qu'on va pouvoir transmettre ces informations, ces connaissances, et peut-être des réflexions plus tard. Éric, peut-être un mot sur les menaces. Vous envoyez-vous des menaces qui pourraient effectivement fragiliser tout l'écosystème, le domaine des cryptos? Alors, il peut y avoir des menaces sur les protocoles, sur la cryptographie. Il y a un gros bug qui a été trouvé dans Bitcoin il y a quelques jours qui aurait pu mettre à mal un petit peu le consensus et la capacité de pouvoir accélérer la création de Bitcoin. Donc la technologie, même si elle a déjà fait ses preuves, on ne peut pas prouver qu'elle n'a pas de faille. Cependant, la confiance montre que la confiance est présente. Il y a aujourd'hui plus de 100 milliards de capitalisation sur Bitcoin, donc ça, pour les hackers, pour ceux vraiment qui veulent essayer de trouver des failles, c'est directement des récompenses en cas de succès. Donc il peut y avoir aussi des failles hein, sur le protocole, sur la cryptographie elle-même, mais bon, ça c'est quelque chose qui paraît quand même peu probable. Ensuite, je suis assez d'accord, c'est surtout des challenges, hein, des challenges de scalabilité, des challenges de s'adapter à des vitesses de transactionnelles et des volumes transactionnels qui pourraient être bien plus énormes que ce que peut supporter Bitcoin aujourd'hui, ou même d'autres transactions, d'autres blockchains comme Ethereum, qui bien sûr ne peuvent pas rivaliser avec Visa. Et aujourd'hui, ce n'est pas l'objectif, hein, c'est plutôt une alternative hein, qu'un système de paiement qui peut scaler autant. On en parlera après. Aurélie ? Oui, parce que je me souviens avoir lu un article il y a un petit moment déjà, dans un système blockchain, en fait, ce qui se passe, c'est que les gens sont anonymes. Anonymisation. Merci, Guillaume. Et donc, on a vu, en fait, certaines personnes utiliser des blockchains pour financer, pour faire des transferts d'argent, pour financer de l'armement, du contenu pornographique illégal, des choses comme ça. Voilà, les risques, pour moi, sont là, et voilà, il faut en prendre conscience, mais bon, ce n'est pas à cause de la blockchain, c'est ça, c'est à cause des personnes qui le font. Et un autre point que j'ai oublié aussi, on parle aussi beaucoup de risques financiers. Interpol a publié un rapport comme quoi il y a eu zéro acte de terrorisme utilisé par la blockchain, donc ça relève aujourd'hui. Il y en a eu pour trafic d'armes, ça j'ai vu des articles. Non, c'est surtout sur les ransomware que c'est utilisé en fait. D'accord. Lorsqu'on va hacker une entreprise, on va demander le paiement en Bitcoin. Le paiement en Bitcoin, ça c'est pratique parce que pour être exact, le Bitcoin en l'occurrence, c'est pas de l'anonymat, c'est du pseudo-anonymat. Pseudonymat parce qu'on a c'est des listes de 1-0. Parce qu'il existe des blockchains qui sont complètement anonymes. C'est vrai. Et aussi, un point important, c'est la réglementation. Je dis ça parce que hier, j'ai découvert que la CNIL avait sorti un rapport en fait, sur la technologie blockchain en lien avec pour satisfaire le RGPD. Et donc, il y a ça aussi qui est très important, c'est que pour mettre en place des réglementations, si on les met en place, il faut qu'elles soient intelligibles et intelligentes. Et pour ça, il faut qu'elles se fassent aussi avec des acteurs comme vous, Eric, comme Philippe, des gens qui sont dans cette économie, dans cette technologie et dans son application directe. Voilà. Alors, Philippe Haim, quel est le regard du banquier sur tout cet univers qui menace un peu son existence, qui menace quand même de désintermédier ces producteurs de monnaie que vous êtes? Alors, effectivement, je vais essayer de décrire hein, le point de vue du banquier par rapport à la technologie, par rapport aux crypto-monnaies. Je vais essayer de faire émerger un désaccord honnête sur ce progrès, sur cette question, hein, en paraphrasant. Je crois que déjà le point de départ du banquier par rapport à la question des crypto-monnaies, c'est de préciser, en termes sémantiques, peut-être l'appellation crypto-actif est plus précise que crypto-monnaie. Une monnaie, on est ici à Sciences Po, dans un amphi où beaucoup ont des cours d'économie, une monnaie a des fonctions, a des attributs. Une monnaie, c'est une unité de compte. Une monnaie, c'est quelque chose qui facilite les échanges, et c'est une réserve de valeur. Ce qui peut servir de monnaie, c'est fondamentalement quelque chose qui a un attribut de stabilité. Et vous voyez bien qu'avec le Bitcoin, hein, si on regarde, alors je suis fasciné par l'aspect technologique, je vais revenir dans un instant, parce que dans Bitcoin, le blockchain ouvre des perspectives qui sont très intéressantes technologiquement pour plein d'applications, y compris financières. Si je prends les crypto-monnaies, enfin ce qu'on appelle les crypto-monnaies ou les crypto-actifs, quand on voit par exemple que l'année dernière, en 2017, on a commencé l'année avec une valorisation sous votre contrôle, une TA. L'unité était à 1 000 $, on a fini à 19 000 en fin d'année, et on est ce soir à peu près à 6 000 $ l'unité de Bitcoin. Vous voyez, donc on a multiplié par 20 en l'espace d'un an,
et on a eu un crash de 80% depuis le début de l'année, donc en 9 mois. Donc on ne peut pas bâtir un système d'échange, en tout cas construire un système de réserve de valeur, compte tenu de cette volatilité qui est plus importante que ce qu'on peut connaître actuellement sur les marchés, sur la livre turque, voire même l'inflation qu'on peut avoir au Venezuela avec des montants très importants. Alors, c'est ça que je pense qu'il faut être précis, il faut parler de crypto-actifs qui peuvent avoir leur usage hein, pour des gens qui souhaitent investir, spéculer, donc ça peut avoir un intérêt, ça je ne le dis pas. Alors nous, en tant que banque, quelle est notre perspective et pourquoi c'est pas qu'on est frileux, on est agnostique, et pourquoi on est en retrait. La mission fondamentale des banques, on est un secteur régulé, quelque part on intervient en prolongation des pouvoirs publics sur un certain nombre de missions. On doit assurer naturellement la sécurité des systèmes financiers, on se doit de lutter contre le blanchiment et contre le terrorisme, c'est-à-dire concrètement, on doit pouvoir connaître, analyser et comprendre tous les flux financiers que l'on voit sur nos comptes. Donc vous voyez bien que, ipso facto, un des attributs des crypto-actifs, c'est-à-dire, on l'a évoqué à l'instant, l'anonymat, c'est quelque chose qui est totalement antagoniste avec nos missions et nos contraintes, et qui peut nous conduire, si on est défaillant dans l'analyse de ces flux, dans leur traçabilité, à encourir des amendes ou à perdre notre licence. Donc vous voyez, c'est la raison pour laquelle la Banque de France, on va très vite, dans un rapport qui a fait grand bruit, hein, un rapport conjoint Banque de France ACPR, a indiqué que les banques ne pouvaient pas avoir d'activité de collecte de dépôts ou de prêts en crypto-actifs. Car ce serait totalement contradictoire avec leur mission qui est de tracer les flux. Ensuite, deuxième aspect, la protection des épargnants. Alors, il y a un certain nombre de nouvelles réglementations. Alors, c'est affreusement technique. Je suis désolé, on vit dans un monde très régulé, mais les réglementations comme MiFID 2, on se doit d'assurer que nos clients, nos épargnants à qui nous proposons des produits, maîtrisent la complexité et les facteurs de risque associés à ces produits. Et donc, on voit bien que, et ça rejoint une autre préconisation de la Banque de France, l'investissement dans les crypto-actifs, compte tenu de la volatilité que j'ai indiquée et des risques importants de perte en capital. Naturellement, c'est une classe d'actifs qui est interdite au grand public. Enfin, interdit. Tout le monde peut investir dans le crypto-actif, on est dans un pays libre, tout le monde peut investir son impact, mais il le souhaite. Mais en tout cas, avec une nécessaire information de ces investisseurs, ces épargnants, sur les risques associés à ces crypto-actifs, et selon les recommandations de la Banque de France, de la CPR, doivent être réservés aux investisseurs avertis. Alors chacun, tout le monde dans cette salle peut être investisseur averti. Il faut juste bien comprendre les supports dans lesquels on place son argent et accepter, naturellement, dans la durée, ces facteurs de risque. Voilà. Donc, en toile de fond, d'où nous partons. Alors pour autant, ayant dit cela, je pense qu'il est très intéressant, et je rebondis sur ce que dit Aurélie, la technologie blockchain, la technologie des registres distribués, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de tiers de confiance, mais on peut sécuriser les transactions, les opérations à travers le blockchain, ça ouvre des perspectives phénoménales. Je pense que c'est une percée technologique majeure, et on pourra développer, mais il y a des fruits extrêmement féconds qu'on va pouvoir tirer de la technologie. Bah, transition parfaite. Clément Tecky, justement, va se focaliser sur la blockchain et ses applications. Vous êtes convaincu, en tout cas dans votre ouvrage, que la blockchain est un outil de transformation de la vie économique et sociale. Est-ce que vous pouvez nous dire, notamment à partir d'exemples concrets, comment ça peut en tout cas redessiner la carte économique? Oui, alors d'abord, en fait, il faut essayer d'abord de définir pourquoi on considère que c'est vraiment un outil de transformation de la vie économique et sociale. Parce qu'on aime bien faire le parallèle de ce qu'on fait dans l'ouvrage avec Internet. Aujourd'hui, il est difficile de nier qu'Internet a radicalement transformé nos sociétés et la manière dont on fait du commerce, mais également nos interactions de manière générale. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Internet, qu'est-ce que c'est fondamentalement ? Ça touche à la communication. Ça facilite la communication entre personnes. Or, ce qui fonde l'essence même en fait, d'une société entre personnes, c'est la communication. Et lorsqu'on dit que la blockchain, en un mot, en fait, ça va révolutionner quoi ? Les transactions de toute nature. Encore une fois, comme Internet, on touche à quelque chose qui fonde l'essence de nos sociétés. Donc le fait de transacter, d'avoir entre personnes des transactions commerciales ou non. Donc forcément, on touche à quelque chose qui constitue le cœur de ce qui constitue une société humaine. Donc c'est pour ça qu'on considère que c'est un facteur révolutionnaire.
Et donc, lorsqu'on s'intéresse un petit peu également à l'analyse économique de la blockchain, qu'est-ce que c'est concrètement? Donc on peut donner des définitions technologiques, que ça permet d'avoir des transferts décentralisés, etc. Mais nous, ce qu'on aime donner, c'est une autre définition, quelque chose peut-être qui frappe un peu plus, c'est qu'en fait, c'est avant tout, la blockchain, une machine à générer des comportements vertueux sur un réseau. Donc en fait, la blockchain, c'est ça. Donc dit autrement, qu'est-ce que c'est? Pourquoi des comportements vertueux? Donc en fait, le Bitcoin, c'est exactement ça. Tout à l'heure, on parlait de la contrainte des 10 minutes, que c'était un problème de scalabilité, etc. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces 10 minutes-là, en fait, ils ont été pensés, ça aurait pu être 5 minutes, etc. C'était purement arbitraire. Et l'idée, c'était d'aligner en fait les intérêts entre les producteurs, donc les mineurs qui sécurisent le réseau, et le consommateur, celui qui utilise les transactions. Donc en fait, le Bitcoin, le génie du Bitcoin, c'est en fait réussir à synthétiser la science cryptographique, les mathématiques, la science informatique, pour créer un alignement des intérêts parfaits entre le consommateur et le producteur pour faire émerger un réseau décentralisé qui fonctionne de manière autonome. Donc là, en fait, c'est ça, en fait, la blockchain. C'est vraiment ça, c'est créer des réseaux décentralisés qui fonctionnent de manière autonome. Et lorsqu'on pense un petit peu à l'économie du 21e siècle, quelles sont les tendances, quelles sont les trajectoires, on se rend compte qu'il y a de plus en plus besoin de créer des comportements vertueux sur des réseaux, parce qu'en fait, on vit dans une société de plus en plus en réseau, que ce soit les réseaux sociaux, mais également, en fait, on est en train de transitionner vers une économie de plus en plus de partage. Donc, si on prend l'exemple parisien, Autolib, Vélib, etc., c'est ça, c'est des personnes qui doivent coopérer entre elles sans forcément se connaître. Et lorsqu'on dit que la blockchain, ça permet de créer des incentives financières pour que les personnes qui coopèrent entre elles le font de manière mutuellement bénéfique, donc là, on touche quelque chose de fondamentalement puissant. Donc, je vais prendre vous vouliez des exemples sur comment ça peut redessiner donc un petit peu la vie industrielle. Si on prend l'exemple de l'énergie, donc, qui était le thème de Sapiens ce matin, si on synthétise un petit peu le modèle économique de l'énergie au XXe siècle, c'était quelque chose qui était très vertical. Donc, on avait une usine de production qui allait déverser sa production vers des consommateurs atomisés. Or, aujourd'hui, au XXIe siècle, on se rend compte que c'est un système qui est un petit peu orthogonal à celui-là, on tend vers quelque chose où c'est de plus en plus finalement décentralisé. On va avoir de la construction d'éco-quartiers avec des consommateurs et des acteurs qui va générer finalement un marché pair à pair. Or, lorsqu'on dit que la blockchain, ça permet de faire vivre des marchés pair à pair de manière autonome, complètement décentralisée, sans nécessité de tiers de confiance, ben là, en fait, ça permet d'accélérer finalement ce processus, cette transformation économique et sociale qui serait complètement orthogonale, parce que, encore une fois, le XXe siècle, la plupart des modèles économiques étaient verticaux, et là on est sur quelque chose de plus horizontaux. Également, une des problématiques aujourd'hui qu'on rencontre au XXIe siècle, avec des entreprises qui sont de plus en plus mondialisées, avec des chaînes de valeur, des supply chains qui sont difficiles à gérer parce qu'on a des approvisionnements dans de nombreux pays, on doit réussir à tracer l'information, et un des usages qu'on n'a pas encore souligné de la blockchain, c'est qu'elle permet d'améliorer, un, la traçabilité de l'information, et deux, la transparence. Donc certes, il y a l'histoire de la pseudo-anonymat qui peut laisser croire qu'il y a des problèmes de transparence, mais en fait non, on peut créer des blockchains. L'avantage de la blockchain, c'est que c'est également un registre public consultable par tous dans lequel on peut avoir toute l'historique de toutes les transactions. Donc c'est très intéressant lorsqu'on va avoir une voiture avec différentes composantes de savoir quelle est l'historique des transactions, où est-ce qu'elles ont transvasé, par qui elles ont été validées, quand, etc. Donc, pour répondre à des problématiques de transparence, surtout qu'aujourd'hui, finalement, le consommateur, que ce soit dans l'industrie pharmaceutique, mais également dans la grande consommation, est en demande, en fait, de transparence pour comprendre d'où viennent les produits, ce qu'on peut en faire, etc. Donc, c'est pour ça qu'en fait, on est convaincu, pour toutes ces questions-là, de décentralisation, création de marchés secondaires, pair à pair, traçabilité, transparence, que la technologie blockchain va accompagner, finalement, le 21e siècle dans la création de valeur, et surtout que quelque chose qu'on n'a pas encore souligné, la blockchain, elle peut se marier avec d'autres technologies, comme l'intelligence artificielle, le big data, la robotique, la voiture autonome, et créer une sorte de convergence technologique importante. Donc c'est pour ça que c'est vraiment intéressant. Alors, l'énergie, on commence à avoir des blockchains aussi pour des CADAS, pour des collections d'art, enfin il y a toute une série d'applications possibles. Philippe Heim, dans le secteur financier, il y a beaucoup de projets en ce moment pour les start-up. Vous, sur quoi est-ce que vous travaillez? Quelles sont les perspectives les plus prometteuses? Oui, alors, pas mal de points ici à développer. Alors, effectivement, ce qui vient d'être décrit est, je pense, assez convaincant. On a, avec la technologie du registre distribué, quelque chose qui
nous permet d'attester de l'intégrité d'une chaîne d'information. Et les applications sont très nombreuses, et c'est vrai que dans le domaine financier, les projets sont innombrables, hein, dans plein de directions. Alors on est encore au stade des proof of concept, hein, donc des expérimentations. Alors, ancien directeur financier, je dois mentionner qu'en ce moment, d'ailleurs, il y a un peu de blockchain washing, c'est-à-dire que quand vous voulez avoir un budget de R&D, il suffit de mettre le mot blockchain, hein, c'est très populaire dans les entreprises. Mais peut-être pour vous donner, faire toucher du doigt les cas d'usage très concrets sur des choses complexes. Dans le commerce international, par exemple, nous, banquiers, on processe des lettres de crédit, donc on doit notamment faciliter de l'échange de matières premières. Prenez l'exemple assez classique d'une cargaison de pétrole qui part du Golfe et qui, avant d'arriver au Havre, va changer 17 fois de propriétaire. Hein, parce qu'il y a une activité de trading qui se fait sur, pendant que le bateau est convoyé en mer. Grâce au blockchain, on va pouvoir, de manière infalsifiable et en protégeant encore une fois l'intégrité de la chaîne d'information, s'assurer de d'où vient le pétrole, où il a été extrait, quel a été le vendeur, quel est le nom du bateau, quel est l'armateur. Quels sont les différents intervenants, différents propriétaires, avant que ça arrive au port. Alors ceci, c'est fondamental, notamment aujourd'hui, hein, parce que compte tenu des règles internationales, des règles notamment en matière d'embargo, il est crucial pour les banquiers de s'assurer notamment qu'il n'y a aucune transaction ou élément dans la chaîne qui fait intervenir des pays sous embargo. Donc, alors les embargos, ils sont multiples, hein, sont décidés par l'Union européenne, mais également les États-Unis. Et vous savez que pour les banques, c'est quelque chose qui est important. De montrer que dans une chaîne, à aucun moment on a traité une monnaie ou avec un intervenant qui peut être iranien, syrien, cubain. Donc ça, c'est un cas d'usage qui est très clair. On a monté effectivement un conglomérat avec différents partenaires bancaires pour développer ce type de solution. De même, on s'associe, on a une annonce aujourd'hui, dans tout ce qui est règlement de livraison de devises, on peut également... à travers le blockchain, assurer la sécurité et l'intégrité d'opérations. Donc ça existe déjà, c'est déjà quasiment... Alors on a les prototypes, on ne l'a pas développé à SAM Industriel. Effectivement, la problématique qu'on a aujourd'hui encore, c'est effectivement la scalabilité de la technologie, comme il a été indiqué. Aujourd'hui, juste pour vous donner quelques ordres de grandeur, compte tenu des contraintes associé à l'algorithme, on peut processer 5 à 15 opérations blockchain par seconde. On évoquait que dans les nouvelles technologies de paiement, alors c'est plus que 50 000. Visa, Mastercard est plus fort. Ant Financial est chinois, ils processent 100 000 opérations de paiement par seconde. Capital d'Alibaba. Oui, exactement. Aurélie Jean, comment est-ce qu'on résout effectivement ce problème de scalabilité, de mise à l'échelle? Vous l'avez dit, hein, il y a encore assez peu d'applications qui sont vraiment effectives aujourd'hui. Alors, si je connaissais la solution, je ne vous la dirais pas, je la garderais pour moi en tout cas. Non, plus sérieusement, oui, comme Philippe l'a dit, en fait, donc il y a... Enfin, moi, je vois de ma connaissance d'utilisatrice et d'observatrice, en fait, le bottleneck, c'est vraiment l'algorithme de consensus et la lenteur, mais en même temps qui est nécessaire, ça a été un choix, comme l'a dit Clément, pour justement valider l'attachement d'un bloc à la chaîne et donc de valider la transaction ou l'opération plus généralement. Encore une fois, je pense vraiment qu'on pense blockchain, on pense finance, parce que ça vient de la crypto-monnaie, mais encore une fois, je pense que les applications sont encore beaucoup plus larges et elles peuvent faire plein de choses. Vous avez parlé pour le supply chain, la traçabilité alimentaire. Philippe a donné l'exemple du pétrole. Et moi, en fait, je pense qu'il y a encore plein d'autres choses ailleurs que dans la finance. Enfin, encore une fois, parce que la finance de marché ou la finance de retail, donc tu parlais de Visa, voilà, c'est compliqué vu les temps d'exécution. Cela étant dit, justement, il y a beaucoup de choses qui sont faites dans la blockchain. C'est-à-dire que c'est, faut pas l'oublier, c'est-à-dire que même si les cas d'usage ne sont pas forcément là et il y a énormément de startups, il y a énormément de recherches sur la blockchain. Tu parlais du buzzword, je pense qu'on peut le dire. Il y a 20 ans, il fallait faire de la nano. Il y a 5 ans, encore maintenant, on peut mettre le mot IA partout et il y a le mot blockchain. Voilà, donc ça, c'est un petit buzzword. Mais en même temps, moi, faisant de la recherche, je dis que les buzzwords, ça permet aussi de développer une émulation et de permettre à la recherche de s'enrichir intellectuellement aussi. Et dans la chance, exactement. Donc je trouve ça plutôt, ça force les gens à innover et à voir out of the box. Donc voilà, donc pour moi, encore une fois, c'est
La limite aussi, alors ça, je ne sais pas si c'est possible, ça peut-être que Clément pourrait nous dire, mais est-ce que c'est possible justement pour essayer de lever ces limitations en termes de temps, pour justement permettre la scalabilité, en tout cas à une certaine échelle, est-ce que ce n'est pas possible justement d'avoir des solutions hybrides, c'est-à-dire d'avoir la blockchain qui s'articule, qui navigue en parallèle d'une technique traditionnelle pour permettre justement d'améliorer la scalabilité, en tout cas sur pas dans tous les domaines, encore une fois, je ne pense pas que ça puisse être applicable à la finance de marché, mais en tout cas à d'autres domaines financiers. C'est exactement ça, en fait, il y a beaucoup de recherches en cours. Ce qu'il faut bien comprendre, on parle beaucoup de scalabilité, etc., mais il faut garder en tête que la technologie blockchain, c'est une technologie jeune. Donc, elle a seulement 10 ans, et je ne sais pas si on se rappelle d'Internet en 1980, ce n'était pas forcément un outil très performant. Pareil, les premières voitures en 1920-1930, ce n'était pas forcément les bolides qu'on a aujourd'hui. Donc, dans l'évolution technologique, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il y a un temps de maturation de la technologie, il y a un moment de rupture, et après, à partir de cette rupture, vient se superposer des couches technologiques qui permettent à la technologie d'évoluer pour être toujours plus performante. Donc, quand on dit plus performante, c'est maximiser sa performance en minimisant l'énergie nécessaire pour y arriver. Et justement, la blockchain, aujourd'hui, en fait, on parle du Bitcoin, mais il y a 70 blockchains dans le monde. Il y a Ethereum qui permet de déployer 70 contrats, mais il y a aussi une blockchain qui s'appelle Komodo qui permet de faire plus de 40 000 transactions à la seconde, donc qui serait l'équivalent de Visa. Pourquoi ? Parce qu'il y a des solutions technologiques qui existent, comme le Lightning Network, l'Atomic Swap, le Summary Swap, qui permet de faire des transactions intra-chaîne, etc. Donc, c'est des termes qui sont très techniques, très informatiques. Mais il y a toute une communauté de développeurs qui existent dans le monde et qui sont là pour essayer d'optimiser le code, améliorer, créer des blockchains toujours plus performantes. Donc le problème de scalabilité, à terme, ne sera plus un problème. Mmh. Nous avons une question sur Twitter, sur le Lightning Network de Bitcoin, ne résout-il pas le problème de scalabilité ? Pas complètement. Pas complètement. Non. Qu'est-ce que c'est le Lightning Network ? Peut-être expliquer au... Alors moi, je pense que vous saurez mieux que moi, mais le Lightning Network, c'est une couche qu'on met autour en fait, d'une structure blockchain. Pour justement améliorer la scalabilité, mais technologiquement, je ne l'ai jamais regardé. En fait, l'idée, ça reprend un petit peu, c'est marrant parce que quand on regarde la chaîne de valeur blockchain, on a toujours, la première idée originelle, c'était de révolutionner le système bancaire, on se rend compte qu'on est obligé de le recréer pour y arriver. Donc le Lightning Network, c'est quelque chose qui existe déjà dans le... C'est de créer des sortes de champs de compensation, c'est au lieu de te dire, on va faire, moi je veux faire des transactions avec M. Heim, et donc on va s'échanger... 5 euros, 2 euros, toute la journée, etc. En fait, plutôt que les enregistrer toutes dans la blockchain, on va se dire, on va finalement ouvrir un canal entre lui et moi en dehors de la blockchain, on s'échange, à la fin on clean nos positions et on va faire que la dernière transaction qui vient cleaner. Donc là, ça permet de gagner en scalabilité, de créer des petits réseaux comme ça de transactions. Eric Largevec, quel peut être pour vous le point de bascule d'une diffusion de la technologie blockchain à plus grande échelle? Ben, je vais reprendre ma casquette de faux monnayeur. Aujourd'hui, il y a quand même des usages de la crypto-monnaie, de la fausse crypto-monnaie, des crypto-actifs. Et s'il est vrai qu'on peut prévoir énormément de choses avec la blockchain, il n'en reste pas moins qu'il y a des millions de personnes qui utilisent le Bitcoin, l'Ethereum pour effectuer des transactions dans un univers décentralisé et distribué, donc il y a quand même de véritables cas d'usage. Mais il est par contre certain que de par les difficultés, enfin la grande spéculation et la grande variabilité du prix du Bitcoin, on ne peut pas imaginer qu'un jour le Bitcoin soit la monnaie universelle qui serait utilisée par tout le monde. Ça n'aurait pas tellement de sens. En tout cas, ce serait très compliqué à réaliser. En tout cas, je n'y crois pas. C'est une question de la salle, justement. Vous y répondez. Bon. Par contre, on peut peut-être réussir à avoir une adoption de masse des technologies blockchain et donc de la crypto-monnaie, puisqu'à la base, quand même, il s'agit de faire des transactions et de pouvoir faciliter les transactions entre personnes ou entre machines, peu importe, par l'introduction de ce qu'on appelle le stablecoin, qui est à mon avis un des grands sujets des mois à venir, et si vous voulez une prédiction, c'est que l'adoption de masse de la technologie blockchain et de la crypto-monnaie va se faire par ces fameux stablecoins. Alors qu'est-ce qu'un stablecoin ? C'est l'émission d'une crypto-monnaie qui va être indexée sur la valeur d'un actif réel et concret, qui pourrait être par exemple l'euro, le dollar, ou alors de l'or.
Et si on prend l'exemple de l'euro, ça reviendrait en fait à émettre de la crypto-monnaie appelée crypto-euro. Donc ça, ça pourrait être le travail de banque de détail hein, qui aurait la possibilité de créer, d'émettre cette crypto-monnaie qui du coup répondrait à toutes les exigences réglementaires, mais qui aurait l'énorme avantage de pouvoir intégrer, on en a parlé rapidement tout à l'heure, la capacité d'effectuer des contrats, ou plutôt de pouvoir programmer la monnaie. C'est-à-dire imaginer un euro dans lequel vous pouvez avoir des décisions qui sont intégrées nativement dans le paiement. Et donc, si on reprend ensuite des cas d'usage qui ont été évoqués tout à l'heure, comme la supply chain, s'il y a un moment la passation d'un objet physique de A à B, que cela doit générer un paiement, on peut le faire directement au niveau de l'euro, c'est-à-dire comme si vous faisiez un virement qui intègre directement des instructions. Et donc, il y a des initiatives de stablecoin qui sont de plus en plus nombreuses. On en voit aux États-Unis, on en voit en Europe. Et là, on pourrait imaginer avoir des cas d'usage assez concrets qui pourraient avancer rapidement, puisqu'il y aurait à la fois le bénéfice de la technologie blockchain qui permet ces échanges décentralisés, et de l'autre côté, une monnaie, qui pour le coup ne serait plus une fausse monnaie, mais une monnaie, qui pourrait plus facilement résoudre les problèmes réglementaires que l'on rencontre aujourd'hui sur les crypto-actifs type Bitcoin. Donc, je pense qu'on va voir un petit peu deux voies, la voie du Bitcoin qui va continuer, ce qui résout un problème qui est très différent, qui est la confiance en fait, dans les États et dans les institutions. On a besoin d'avoir un contrepoids. Mais de l'autre côté, on va pouvoir avoir le développement de ces crypto-monnaies euros ou dollars qui vont pouvoir répondre à des problèmes très, très concrètes et qui pourraient être utilisées par monsieur et madame tout le monde. Philippe, vous voulez réagir? Oui, juste pour rebondir sur votre point, et ce n'est pas contradictoire avec tout ce que j'ai dit, il y a aujourd'hui des projets consistant à utiliser justement la blockchain pour, de la part de banques centrales, comme support de la base monétaire. Donc aujourd'hui, vous avez des projets très officiels, très sérieux, hein, de la banque. Par exemple, c'est ça ? Non, mais en Suède, en Norvège, consistant en fait à remplacer la monnaie scripturale, ou carrément, c'est le cas au Danemark, ce sont des économies qui sont extrêmement avancées, où en fait on a un retrait progressif du cash, remplacé par de la monnaie électronique. Et aujourd'hui, alors on renverse la perspective, justement on supprimerait l'aspect anonyme des crypto-actifs, crypto-currency actuels, on en ferait quelque chose qui serait transparent et traçable, et ça pourrait être pour les banques centrales un élément, un support d'émission de monnaie scripturale. Derrière tout cela, à travers une plus grande traçabilité, on pourrait notamment analyser, enfin, d'un point de vue macroéconomique, l'évolution de la masse monétaire, et ce qui est très important quand vous voulez maîtriser l'inflation, la vitesse de transmission de la monnaie. Donc il y a des projets très concrets, qui n'est pas la science-fiction, aujourd'hui en Suède, en Norvège. Aujourd'hui, dans l'union bancaire, hein, Mario Draghi s'est montré à ce stade assez prudent, mais je veux mentionner qu'effectivement, cette technologie, par la sécurité et la traçabilité qu'elle apporte, peut avoir des développements, pour le coup, dans la sphère monétaire. Pour surveiller les fameux M1, M2, M3, exactement. On passe à la réglementation maintenant, très importante évidemment. Il y a énormément d'initiatives qui ont été faites. Je crois qu'il y avait l'ordonnance blockchain en fin d'année dernière. Il y a la loi Pacte qui veut encadrer les ICO. Il y a des labels AMF. On n'y voit pas forcément très clair. Éric Largevêque, peut-être, qu'est-ce que vous pensez actuellement de ce qui se fait en France, notamment par Bercy? Il y a forcément un curseur à placer entre la volonté de faire émerger un écosystème favorable à la blockchain, aux crypto-monnaies, et puis une protection des épargnants. Dont certains ont pu être échaudés par la chute de la croix des crypto-monnaies depuis le début de l'année. Alors, je pense qu'il est important pour le développement de ces technologies de réguler, puisque l'objectif c'est quand même de faire du business, de construire des projets, et il est nécessaire d'avoir un cadre, de pouvoir avoir des règles, ne serait-ce que pour pouvoir rassurer les différents acteurs et les faire rentrer dans l'usage de ces technologies, puisqu'aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a pas de règles que beaucoup d'acteurs ne veulent pas ou prennent leur distance. Donc réguler, c'est une chose qui est importante. Il est aussi important de le faire de façon intelligente pour ne pas non plus complètement étouffer l'innovation, surtout que la régulation, ça peut être limité à certaines géographies et ensuite les entreprises peuvent se déplacer. Donc il y a aussi une concurrence de la régulation au niveau mondial. Donc si on ne veut pas voir les cerveaux s'échapper, si on ne veut pas voir, comme pour l'Internet, une prédominance américaine, il est nécessaire pour l'Europe et pour la France de mettre en place une régulation intelligente.
Et c'est ce qu'on a pu voir, l'initiative de l'AMF avec le visa ICO qui permet de donner des règles qui ne sont pas obligatoires. On n'est pas obligé de les suivre, mais c'est un cadre, c'est une première étape. Il s'agit ensuite de retranscrire, par exemple, une partie de la cinquième directive à l'impact. Et juste pour donner un exemple concret dans l'importance en fait, du régulateur et du législateur, c'est que si on parle par exemple de conservation de clés, de la responsabilité de ceux qui ont la conservation des clés, il est très important de définir ce que représente la conservation. Parce qu'il y a aussi la notion de contrôle et de garde qui est très différente dans l'univers de la crypto-monnaie. Et donc si on ne met pas en place cette définition, eh bien, les acteurs qui font de la conservation, tels que Ledger qui donne des techniques, des coffres et des technologies pour les conserver, mais qui n'en ont pas le contrôle, pourraient quand même être responsables de ce qui se passe, alors que ce n'est pas le cas. Et donc, une bonne régulation permet aussi de mettre en place des règles qui peuvent aider le développement des entreprises. Donc, il faut être très, très prudent et faire très attention à tout cela. Clément Rennes, même question. La réglementation, vous qui avez été à Bercy quelques années, on a un ministre qui est plutôt proactif en termes de réglementation, est-ce qu'il l'est trop à vos yeux ? Alors moi j'ai plusieurs réactions par rapport à tout ça. Moi je pense qu'il faut mettre en place un cadre réglementaire pragmatique. Ce qui m'a beaucoup frappé récemment, c'est quand j'ai été visiter Alibaba Guangzhou en Chine, et juste de réaliser qu'en l'espace de 4 ans a été mis en place une infrastructure à partir d'un e-commerçant Alibaba qui a souhaité remonter la chaîne de valeur et sécuriser les paiements, qui a développé donc Alipay, puis ensuite un établissement de crédit. Aujourd'hui, ce conglomérat est capable de processer en termes de paiement 600 millions, 700 millions de paiements par an. On est sur des volumes considérables. En l'espace de 4 ans, ils ont atteint les grands processeurs américains. Et tout ça, ça a été rendu possible car un cadre réglementaire qui était pragmatique, et je pense précisément en France, il faut trouver le bon équilibre entre la réglementation, évidemment, qui protège les épargnants, qui s'assure de la traçabilité des flux, en même temps qui ne décourage pas l'initiative. Donc je pense qu'effectivement, le cadre qui est proposé est un cadre qui est pragmatique, notamment le concept de visa facultatif. Ça, on va introduire une discipline, on va codifier effectivement cette pratique qu'on n'a peut-être pas ici développée, mais ce qui considérer, c'est dans quelles conditions on va pouvoir organiser des levées de fonds en crypto-actifs ou crypto-monnaie. Les fameuses ICO dont on parlait. Voilà, les fameuses ICO. Vous voyez bien que quand on fait appel public à l'épargne, que ce soit en action ou en dette, quand on émet des obligations, il y a aujourd'hui un cadre réglementaire qui est draconien, hein, quand on est une banque et qu'on procède à ces opérations. Naturellement, ce cadre législatif réglementaire serait exorbitant s'agissant de cette industrie naissante. Hein. D'où cette idée d'avoir des visas qui seraient facultatifs, mais avec un cahier des charges qui établirait des bonnes pratiques. Alors juste pour donner une idée sur les ICO, il y en a eu pour un volume au niveau mondial d'à peu près, on a levé 10 milliards équivalent euros en 2017, on est passé à 20 milliards en 2018. Il faut comparer ça à une levée de fonds au niveau mondial en equity et en dette de 800 milliards. Donc ça reste petit. 40% des opérations ne vont pas à leur terme. Les opérations unitaires sont moins d'un million d'euros de dollars, mais ça progresse assez vite. Donc c'est un élément naturellement qui est intéressant, et il faut trouver encore une fois le cadre adéquat. Je crois que l'enjeu, c'est de faire en sorte que la place financière de Paris puisse être un terrain de développement de ces technologies. Oui, Clément Tegui, une question. Je voulais juste rebondir, je pense que l'ordre de grandeur de comparer des levées de dette ou de l'equity de 800 milliards, c'est pas forcément tout à fait bon, parce que donc ICO, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Initial Coin Offering, donc ça serait le pendant en token d'une IPO, donc d'une introduction en bourse. En fait, ce n'est pas vraiment la même chose, parce que lorsqu'on va faire une ICO, on va vraiment être dans la vie d'une entreprise, ce qu'on appelle en early stage, donc vraiment des investisseurs de type venture capital. Donc là, les montants levés dans le monde pour des entreprises en venture capital est beaucoup moins élevé que 800 milliards, je pense. Mais en tout cas, ce qui est important lorsqu'on parle de la réglementation de l'AMF, c'est que voilà, l'ICO, c'est la démocratisation du venture capital. Donc c'est donner au plus grand nombre la possibilité d'investir dans des startups avec des projets innovants. Donc pourquoi c'est avantageux pour l'investisseur et pour le consommateur, l'ICO ? Alors d'une part, pour l'entrepreneur, c'est plus facile donc, de lever finalement 1 million d'euros en demandant à 1 euro à 1 million de personnes
que 2 fois 500 000 à un fonds de venture capital. Donc ça permet de faire baisser un certain nombre de barrières pour des jeunes entreprises pour trouver facilement des fonds et pouvoir ensuite utiliser ces fonds pour se développer. Pour l'investisseur, pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est vraiment une démocratisation de l'investissement en VC. Donc il n'y a plus besoin d'être professionnel pour pouvoir bénéficier de la croissance qui est portée par des entreprises très innovantes. Donc ça, c'est des avantages. Mais en face de ces avantages, il y a nécessairement des inconvénients. Et l'inconvénient, le premier, c'est que en fait, le venture capital, c'est un métier risqué, avec des personnes qui sont formées pour ça, avec un milieu des affaires qui est structuré autour de ça, donc avec des due diligence financières et stratégiques qui permet d'évaluer les risques de chaque projet. Or, l'information qui est mise lors d'une ICO, donc les fameux white paper, ne permet pas de mesurer, pour un investisseur particulier non initié au milieu de la finance, de mesurer les risques d'investissement. Donc le but de l'AMF à travers de ce passeport, c'est à mon sens voilà, de donner des clés de compréhension aux investisseurs particuliers pour pouvoir mesurer les risques. Mais donc, nous, on a pu participer avec accuracy aux tables rondes de l'AMF pour pouvoir déterminer quelle est la législation à mettre en place. On était très favorable au passeport parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est basé sur la base du volontariat où c'est une entreprise qui peut prendre la possibilité d'aller voir l'AMF pour avoir un passeport. Une fois qu'on a ce tampon AMF, on est censé avoir des comptes qui ont été audités, mais également un business plan qui a été validé, une faisabilité du projet. Donc ça a pour but de rassurer l'investisseur. Mais ce qui est bien, c'est que c'est sur la base du volontariat, donc ça ne crée pas un cadre trop rigide, parce qu'encore une fois, c'est un écosystème qui est très jeune, qui a encore besoin de beaucoup d'innovation, de beaucoup d'argent investi et de temps pour pouvoir faire émerger des solutions avec des utilisations vraiment prégnantes. Mais donc c'est pour ça que c'est bien, c'est le passeport, parce que c'est à la fois flexible, en même temps ça apporte une certaine sécurité. Alors, avant de laisser Olivier Babot conclure, quelques questions dans la salle que vous pouvez répondre. La non-gestion de la liquidité a failli faire sauter la planète en 2008. Est-ce bien raisonnable de repartir sur un système aussi volatile? C'est justement parce que la planète a failli sauter que le Bitcoin est apparu. S'il y a un effet de balancier à une défiance dans les institutions, et c'est tout simplement une réponse. Je pense qu'au contraire, c'est un peu une soupape de sécurité qui montre que si le Bitcoin existe, c'est que le travail des institutions, fait par les institutions, n'est pas parfait. Et donc, ça permet à tout un chacun d'avoir justement un petit peu cet effet de balancier, de pouvoir avoir une réponse différente. Oui, c'est né là-dessus. Il y a beaucoup de questions, je vais en prendre une seule sur la question énergétique qu'on n'a pas évoquée, mais qui est évidemment très présente. La technologie blockchain est-elle soutenable d'un point de vue énergétique et environnemental? Clément veut répondre. Pour moi, c'est un faux débat, parce que, encore une fois, comme on a expliqué, le proof of work, les 10 minutes, la puissance de calcul, c'est purement artificiel, ça peut être régulé. Et je vais reprendre... Le minage demande de l'énergie quand même. Le minage demande de l'énergie, mais ce minage peut être optimisé. Encore une fois, c'est comme si on disait, bah non, regardez, une voiture 1920, ça ne marche pas. Ça consomme tellement de micro-100 qu'il n'y aura jamais assez de réserve de pétrole. On se rend bien compte qu'il y a une évolution technologique qui permet aujourd'hui, pour une puissance énergétique de la même voiture, de consommer moins de pétrole. Donc en fait, il va y avoir une évolution technologique qui fait qu'à terme, il y aura une consommation énergétique moindre. Et surtout, il faut comparer ce qui est comparable. Je pense que si on compare le réseau Bitcoin à l'ensemble du réseau bancaire, donc c'est-à-dire Visa, tous les cartes bleues, mais aussi également toutes les tours qui consomment de l'énergie, les salles de marché, etc. Je pense qu'on est sur des ordres de grandeur largement comparables. Une question philosophique, on va dire. Je vais vous la poser aux gens, ça va être pour vous. Je ne suis pas philosophe, mais je veux bien prendre la question. Vous êtes experte sapiens, c'est pour l'instant sapiens. Il semble que la blockchain rende le pouvoir à l'individu et le pousse à la responsabilité dans ses agissements, évitant le surplus étatique, je cite. La blockchain n'est-elle pas par essence consubstantielle d'un regain de liberté au service de l'idée libérale? Pouvez-vous répéter la question? Voilà. Donc, vaste question, vaste sujet, donc vaste réponse. Des libéraux, des libertaires. Alors, c'est intéressant. Alors, plusieurs choses. Donc moi, j'ai une tendance assez libérale. Donc c'est vrai que pour moi, la blockchain, c'est un phénomène sociétal fort. Donc je suis technologique, donc j'adore, je suis passionnée par la technologie, mais c'est un phénomène sociétal fort. Pourquoi? Moi, je crois que l'innovation, elle est à plusieurs échelles, et je crois beaucoup à l'innovation par l'individu. Et en cela, la blockchain est le parfait exemple. Et c'est en cela où la réglementation est également intéressante à explorer. En tout cas, elle est nécessaire tant qu'elle ne freine pas l'innovation, mais qu'elle l'encourage et qu'elle est un catalyseur. Donc ça, c'est important. Et surtout, ça traduit un phénomène qu'on a toujours vu dans l'histoire, c'est-à-dire que la loi est toujours arrivée en décalage par rapport aux pratiques sociales. Elle est très conservatrice. Et là, c'est un exemple parfait. Et je crois que la loi est nécessaire. Et donc, elle va intervenir. Mais pour reprendre cette idée, donc,
Moi, j'aime bien cette idée de l'individu qui est le centre de l'innovation, parce qu'en fait, on est souvent très proche de l'applicabilité d'une innovation et des besoins, et voilà. Cela étant dit, à mes yeux, ça ne peut pas vivre seul, parce que je crois aussi à certaines réglementations, tant qu'elles sont un catalyseur et non un frein pour l'innovation. Et comment faire, et c'est le comment qui est intéressant, c'est qu'il faut qu'il y ait un partenariat fort entre les législatifs, les parlementaires, mais aussi les gens de la technologie, les gens qui utilisent ces technologies comme les banques, quelqu'un comme Philippe, enfin voilà. Il faut pour, d'une part, définir certes les vides juridiques, c'est à ça qu'on pense tout de suite, mais on ne pense pas assez aux vides technologiques. Et j'insiste fortement, il faut faire une analogie forte, c'est-à-dire que, je prends un exemple, je te donne souvent cet exemple parce que pour moi il est flagrant, aujourd'hui, lorsqu'on parle de droit à l'oubli, on ne définit pas comment effacer une donnée, explicitement, technologiquement parlant. C'est un vide technologique. Il y a plein de manières d'effacer une donnée, et en fonction de la manière dont on efface la donnée est toujours là ou pas. On y a accès ou pas, mais voilà, ce sont des nuances technologiques qui sont importantes à comprendre pour écrire une réglementation qui encourage et qui ne freine pas l'innovation. Et j'en suis persuadée. Et donc oui, je étant assez libérale, donc j'aime bien l'idée que l'individu soit la source de l'innovation, mais je pense aussi que pour que ça soit une harmonie et pour minimiser les risques, et voilà, la réglementation doit être faite, mais elle doit être faite intelligemment par les bons acteurs et avec un bon chef d'orchestre. Voilà. Ça fait une très bonne conclusion. Merci beaucoup Aurélie. Merci à tous. Vous pouvez les applaudir. Je vais appeler Olivier Babot, le président de l'Institut Sapiens, pour qu'il nous dise ce qu'il a retenu de ces débats. Olivier, à vous la parole. Merci Guillaume. Tellement de choses changent que peut-être qu'on irait plus vite en faisant la liste des choses qui vont rester. Et il y a quelque chose qui ne va pas changer à mon avis, c'est la reconnaissance. Donc, je voudrais commencer ce soir par remercier Sciences Po de nous avoir accueillis dans ce lieu prestigieux où on a, je crois, beaucoup d'entre nous d'excellents souvenirs, parfois de moins bons, mais souvent des bons. Remercier aussi notre partenaire sur ce sujet blockchain qui est Accuracy, la société de conseil de direction d'entreprise, et de remercier Guillaume Maujean et les Échos de nous avoir accompagnés. De remercier aussi et surtout Madame la Ministre qui nous fait l'honneur de venir ce soir dire le mot de conclusion, Madame Jenny Stéphane qui est secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances. Alors on m'a donné la terrible responsabilité d'essayer de vous résumer un tout petit peu la conférence. Alors je suis dans la disposition un peu difficile de celui qui est arrivé aussi en retard et à qui on demande de résumer une conférence à laquelle en grande partie il n'a pas assisté. Il fait penser, vous savez, à ce critique littéraire du 19e siècle qui disait « je ne lis pas les livres, ça pourrait m'influencer ». Donc là, je ne vais pas aux conférences que je résume, ça pourrait m'influencer. Non, sans rire, j'ai quand même assisté à 2-3 secondes, et ce que j'ai compris, ça tient peut-être en 3 parties, parce qu'on est à Sciences Po, c'est en 3 idées très très rapides, c'est d'abord que le Bitcoin comme Internet, ça ne va pas être désinventé, ça a été inventé, c'est là, ça ne va pas disparaître tout d'un coup, on parle de mode, mais il y a un moment donné, ça ne va pas disparaître. C'est une technologie qui est aujourd'hui toute récente et va donc beaucoup évoluer, et les pratiques vont évoluer avec. La deuxième idée, c'est que nous avons ici en France des atouts immenses, comme on les avait sur Internet dans les années 90. Ne refaisons pas l'erreur de passer à côté de cette révolution. Il y a quelque chose qui se passe et des soirées comme celle-ci doivent modestement contribuer à ce que nous soyons conscients de ces enjeux et que nous soyons tous, c'est me réjouir ce soir de voir tous les types de profils, tous les âges, toutes les compétences pour être conscients de ces enjeux parce que c'est aussi derrière un enjeu de développement économique et de prospérité locale. Et enfin, il est évident que l'État, face à l'avènement d'un blockchain qui se pose comme un tiers de confiance, ça prend un peu la place de l'État, parce que jusque-là, c'était le tiers de confiance. Donc l'État va devoir probablement se réinventer, l'État va devoir aussi réglementer, pour une fois que les libéraux demandent de la réglementation, profitons-en. Il faut sans doute réglementer. Et puis enfin, je crois que la blockchain, ça confirme un petit peu l'idée qu'on avait avec Sapiens depuis le début, c'est que derrière les enjeux technologiques, il s'agit toujours d'enjeux humains. Parce que de quoi parle-t-on ? On parle en réalité de confiance, on parle de pratiques qui vont changer, d'adoption de comportements. Derrière la monnaie, derrière ces technologies, il y a des gens, et c'est ça, à mon avis, l'avis de Sapiens, c'est ça qu'on défend tous ici. L'enjeu du 21e siècle, c'est de, encore et toujours, remettre, garder, renforcer la place de l'humain dans ce siècle vertigineux. Madame la ministre, à vous la parole pour quelques mots, donc autant que vous voulez, de conclusion.
Merci. Merci, merci de l'invitation et bravo pour le choix du thème de la série de conférences. Ce sujet de la blockchain qui est passionnant et je suis heureuse de voir l'affluence ce soir. Alors pour parler spécifiquement des crypto-monnaies qui sont le thème de ce soir, je voulais commencer par une question que je me suis un petit peu posée, je ne sais pas si elle a été posée ce soir, c'est est-ce que les crypto-monnaies vont rendre obsolètes les monnaies fiduciaires et est-ce qu'elles vont rendre les États inutiles? Alors je pense, je ne sais pas si vous avez débattu ce point, mais je pense que nous n'en sommes pas là, puisque les crypto-monnaies ne remplissent aujourd'hui aucune des trois grandes fonctions de la monnaie. On ne les emploie ni comme véritable instrument d'échange, ni comme unité de compte, ni comme réserve de valeur. Et donc les monnaies conventionnelles ont encore de beaux jours devant elles. Pardon. Ça ne signifie pas que nous ne devions pas prendre les technologies crypto au sérieux. Et je pense que les cryptos méritent un cadre de réflexion spécifique. C'est bien l'objet de nos débats de ce soir, qui concerne un sujet qui n'est pas facile et il est important que tous les acteurs et les experts réfléchissent sur ces questions. Pour ma part, je me contenterai de vous présenter l'approche des pouvoirs publics, très modestement, mais il y a eu en effet une réflexion des travaux sur cette thématique des cryptos. Et cette approche, je voudrais la résumer en trois mots, puisqu'on va rester sur le rythme ternaire, protection, ambition et pragmatisme. D'une part, la protection, le premier réflexe, en tant que membre du gouvernement, compte tenu de son ampleur, les États ne peuvent rester indifférents au développement des crypto-monnaies. Certes, il ne s'agit pas encore de craindre une déstabilisation du système financier international. Les monnaies virtuelles ne représentent que 0,5% du volume des monnaies en circulation. Et pour être encore plus précis, le montant des paiements mondiaux en Bitcoin représente moins de 1% des paiements en carte Visa ou Mastercard effectués aux USA uniquement. Mais face à la croissance de l'offre de ces actifs sur Internet, au buzz qui peut attirer les épargnants qui ne sont pas tous des experts, les États doivent remplir leur rôle de protection. Soutenir l'innovation ne dispense personne de mesurer les risques induits par le flou juridique actuel. Les risques de bulles spéculatives, les risques de blanchiment, les risques de financement occulte, sans parler des risques de sécurité, car à l'heure actuelle, il y a bien des fraudes et des vols de crypto-monnaies. Je sais que certains des intervenants ce soir ont des solutions très pratiques. Deuxième thème, l'ambition. Une ambition du gouvernement, car nous croyons profondément aux bienfaits de l'innovation dans l'économie. Nous ne voulons pas rester bloqués sur l'idée que l'innovation est à craindre. Il faut savoir déceler les opportunités qu'elle peut offrir. Si une innovation, et même une innovation disruptive, a le potentiel de s'installer durablement et de créer de la valeur, nous voulons, autant que faire possible, faire en sorte d'y être les meilleurs. Or, le secteur des cryptoactifs continue à évoluer, à mûrir, et personne ne le prend plus pour un feu de paille. Même s'il y a encore des soubresauts, même s'il y a encore une grande volatilité qui font qu'on ne peut absolument pas le banaliser. Du point de vue de l'État, ça veut dire accompagner intelligemment, je crois que ce terme a été évoqué tout à l'heure, être extrêmement attentif à l'évolution des pratiques, avoir une évaluation dynamique des risques et inciter aux expérimentations. Et c'est ainsi qu'on en vient naturellement au pragmatisme. Au XXIe siècle, il est indispensable qu'un entrepreneur puisse ouvrir un compte en banque ou faire établir et certifier ses comptes. Et c'est pourtant difficile, voire impossible, pour de multiples entrepreneurs qui recourent à des émissions de jetons et qui ont du mal à accéder à ces services de base. Et qui, pour cette raison, envisagent parfois de se délocaliser hors de France. Donc, nous voulons créer un cadre incitatif et qui garantisse en même temps la protection de nos concitoyens. C'est une ligne modérée, une ligne de bon sens, et nous la tenons en particulier dans le cadre des discussions sur la loi Pacte qui est actuellement au Parlement. Les nouvelles formes de finance, les fintechs,
soit un atout unique pour la France. Il faut qu'elle puisse avoir un espace de liberté, ce qui ne veut pas dire opérer en dehors de toute régulation. Et la France a toujours su avoir un temps d'avance en matière de financement innovant. Nous avons permis le développement légal du crowdfunding en 2014. En décembre dernier, le gouvernement a adopté une ordonnance permettant d'utiliser la blockchain pour transmettre des titres financiers et nous sommes leaders sur le développement de la finance verte. Notre philosophie est la même sur les crypto-monnaies, c'est-à-dire d'essayer d'être à la pointe pour proposer un cadre juridique clair et pour exploiter pleinement tout le potentiel de l'innovation technologique. Donc nous avons l'ambition de proposer, d'ici la fin de l'année, un cadre intégré et cohérent pour le développement des cryptoactifs, avec trois briques essentielles. La première brique, qui a été évoquée tout à l'heure, c'est un cadre souple pour les émissions de jetons, les ICO. De nombreux acteurs privés se sont déjà emparés des crypto-monnaies, le SAMU Social, qui a lancé une collecte de dons en Bitcoin en janvier dernier. Depuis quelques mois, l'UNICEF France, qui accepte des dons en crypto-monnaie et encourage le minage à son profit. Contrairement à l'émission d'actions ou d'obligations, l'émission de jetons permet à une entreprise pour se financer d'offrir aux souscripteurs de jetons un accès préférentiel à son produit ou à ses services. La loi PACTE va offrir un cadre innovant pour le développement des ICO sous la forme d'un visa, mais d'un visa facultatif. Nous prévoyons la création de ce visa optionnel délivré par l'AMF aux personnes morales établies en France. Et l'éligibilité à ce visa reposera sur le respect de critères simples. La qualité du white paper, du document de présentation, contrôlé par l'AMF, un mécanisme de séquestre des fonds, un dispositif d'identification et de connaissance du client. Les acteurs ainsi labellisés figureront sur une liste blanche qui constituerait un gage important de respectabilité auprès des souscripteurs. Donc vraiment, la volonté de créer un cadre de confiance aussi pour les souscripteurs et pour favoriser le développement de ces outils. La deuxième brique de ce cadre cohérent, c'est un statut volontaire pour les acteurs de la crypto-finance. Car aujourd'hui, le monde des crypto-monnaies et le monde des monnaies traditionnelles sont très cloisonnés. Les acteurs crypto peinent à gagner la confiance des banques. Nous devons apporter plus de transparence et de sécurité dans le fonctionnement de services d'investissement sur cryptoactifs. À cet effet, une régulation des intermédiaires en jetons, c'est-à-dire les plateformes de négociation, les services de conservation de jetons, les autres services d'investissement, sera introduite dans la loi PACTE. Elle n'y figurait pas initialement et nous avons travaillé avec des professionnels, avec des parlementaires qui ont porté le sujet de compléter la loi sur ce point. Ce cadre pour les intermédiaires de la crypto-finance sera également fondé sur le principe d'un visa facultatif, donc un autre type de visa, octroyé par l'autorité des marchés financiers qui fera office de guichet unique. Ce visa facultatif sera conditionné au respect de quelques règles simples, offrant des assurances satisfaisantes à la fois aux investisseurs et aux épargnants. Un volet obligatoire sera toutefois prévu en matière de règles anti-blanchiment pour les plateformes d'échange et les services de conservation de jetons uniquement. Ce dispositif vise à apporter les assurances nécessaires en matière de protection des investisseurs, de transparence des flux. Cela favorisera l'accès de l'ensemble des acteurs aux services bancaires de base. Ainsi, dans le cadre des débats parlementaires sur la loi PACTE, un amendement a été adopté qui aidera les émetteurs d'ICO ayant obtenu le visa AMF à ouvrir un compte bancaire dans les banques françaises. Et enfin, troisième brique, indispensable pour le développement de ces outils, c'est le cadre fiscal et comptable des cryptoactifs, c'est-à-dire un cadre attractif pour que, en France, ce type d'activité puisse s'installer et soit finalement favorisé par rapport à d'autres, au moins sur un pied d'égalité, avec d'autres places financières. Il y aura donc c'est l'objectif pour cette fin d'année de mettre en place ce cadre comptable et les travaux sont déjà en cours donc nous allons préciser les choses afin que dans le courant 2019, nous ayons donc ces trois briques
complémentaire de fonctionnement des marchés des cryptoactifs et des émissions de jetons en France. Voilà, donc beaucoup de travail sur ces sujets et un grand intérêt de la part du gouvernement. Et je pense qu'on a beaucoup avancé au cours des dernières semaines. Pour conclure et élargir sur le thème de la blockchain, je voulais aussi indiquer que nous souhaitons stabiliser d'ici la fin de l'année une réflexion gouvernementale sur, sur la blockchain, avec au moins trois axes. La façon dont l'administration pourrait elle-même utiliser la technologie blockchain, la diversification des usages de la blockchain dans tous les secteurs de l'industrie et des services, et le développement d'une offre d'enseignement supérieure en rapport avec cette technologie qui aujourd'hui n'est vraiment bien représentée qu'au sein du pôle universitaire Léonard de Vinci. Donc là encore, des voies d'approfondissement et de réflexion pour aller plus loin dans l'utilisation de la blockchain en France et, des, et du développement des technologies blockchain. Nous continuons à mener ces réflexions de manière ouverte. Nous sommes preneurs des bonnes idées, évidemment des conclusions et des échanges de ce type de conférence. Et nous sommes preneurs aussi, bien sûr, et très accueillants pour les entrepreneurs, pour les chercheurs, pour les développeurs de technologies autour de la blockchain. C'est un enjeu important qui a toute sa place dans notre politique d'innovation. Donc, bravo à tous pour ces débats et très bonne soirée.